Waouh. Cyber-grand-mère. Maintenant, putain, il va encore s'allonger le pénis. Avec des produits chelous. My man on the island confirms that the Constant has arrived. We head out at sundown. Here, in case the crew get ideas. Why are you doing this, Mr. Gray? You had a chance to walk away. Why didn't you? Sale traître. A year ago, I'm working security for this banker, Cobb. Only to find out he's a Providence officer. Et lui, il va se rappeler pourquoi est-ce qu'on n'est plus potes. I've been running for decades. Sinon, on serait toujours ensemble. Il s'est passé un truc. We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. Putain, le philosophe. 47 told me about your parents. How did they die? Car bomb. Surrey, 1989. Company named Blue Seed didn't care to pay for the mistakes. But I like to think no one's untouchable. I'm sorry for your loss. You feel it, don't you? Unlike him, you feel it all. Everything you've done. It's a dangerous thing. Having a conscience. Donc voilà. Pardon. Voilà. Donc soit vous pensez que je suis trop pauvre. Soit ceux qui me connaissent vous diront que je suis trop radin. Allez, on n'aura pas l'émission. On terminera sur celle-là. Mais bon. Chauve must go on, comme dit le dicton. Pas où est-ce que je veux commencer. Non, ça c'est pas où est-ce que je veux commencer, ça c'est ma planque. Chapelle. Ah oui, je vais faire une mission qui va me ramener à la chapelle. Donc très bien, je vais me planquer un petit truc là-bas. Oula, j'ai du fusil d'assaut qui m'attend. Fusil de précision. Ça veut dire que j'ai bien signé les défis dans mon premier passage. Carte de piratage, crochet. Il me faut l'un des deux. Eh bien, je vais prendre le crochet. Attendez, déjà on va choisir l'endroit où est-ce qu'on commence. Cuisine. Non, réception c'est mieux. On a déjà un bête de déguisement. Corde de piano. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris le crochet. On est qu'un de piratage. Pièce de monnaie. Je peux échanger ça contre... Putain, mais les poisons, j'ai l'impression qu'ils me servent jamais. J'ai quoi d'autre? Non, peut-être pas des explosifs. Bon, on va garder les pièces. Très bien. Professionnel, très bien. Donc, je vous rappelle qu'on a terminé l'autre épisode, donc la banlieue américaine. De manière extrêmement rapide, je ne pense pas que ce soit le cas pour cette mission qui est déjà une cible de plus. Ah oui, le constant, faut même pas le buter, faut le ramener en vie. Donc ça aussi c'est bien chiant et bien long. Si vous voulez faire le truc proprement, t'as toujours le choix de buter tous les touristes qui se trouvent sur votre passage, mais c'est pas mon cas. Ouais, viens bouffer ma merde toi. Donc voilà, on est à la fête des gens qui essayent de préparer la fin du monde. Ils se donnent rendez-vous comme as. Ils créent des bunkers, des médicaments spéciaux, des réserves de bouffe, des réserves d'armes,
On va mettre fin à tout ça. Alors, qui peut me griller ici? Ok. Il y a une cérémonie qui est prévue. Et j'ai bien envie de me la faire, mais alors attendez, la première intrigue ne concerne pas la cérémonie. Voilà, dernier hommage, parfait. Et voilà, le phénix renaît de ses cendres. Gardez ça en tête, ce sera soit dans la première partie, soit dans la deuxième. Incroyable. Soit dans la première, soit dans la deuxième. Ça ne peut pas être plus mathématiquement précis. Excuse me? Alors là aussi, il y a quelqu'un qui peut me griller. Elle est où cette conne? Elle est là. En train de regarder mon petit crâne. Strange. Je me vois à travers les murs. Vas-y, celui-là. Merde, merde. Vas-y, continue, continue. C'est pas grave, hop. Oula. Des caméras un peu partout. Bon, c'est pas grave, si jamais on se fait griller, j'ai plusieurs sauvegardes. Avec ce petit 47. Alors. Très bien. Alors, je vais essayer de me déguiser en quelqu'un pour arriver jusque là-bas. Où est la carte? Bon, pour une fois, j'ai appuyé sur le bon bouton. N'éliminez pas le constant. J'ai compris. Oui, mais attendez. Qu'est-ce qu'il nous demande? Dernier hommage. En fait, il nous avait même pas expliqué. Alors, la dague cérémoniale de la veillée de Janus a disparu. C'est une opportunité. Comme nous le savons, Zoé Washington s'occupe de la veillée de Janus. Mais une dague de cérémonie ancienne qui devait être sur Janus pendant le service a disparu des réserves. Vous devriez la retrouver, 47. Cette veillée pourrait être notre chance de surprendre notre cible. Oui, Diana, j'ai bien compris, mais si tu me l'expliques pas, ça risque pas de marcher. Bon, alors. Oula! Oulala, oulala, oulala! La cible arrive juste derrière lui. Je sais pas si vous l'avez vu. Ou alors elle est au-dessus de nous. Elle est où? Viens avec moi, viens faire un tour dans le coffre. D'accord, elle était au-dessus. J'ai un peu trop la confiance. Oula, intrusion. C'était le déguisement qu'il me fallait, putain. Oulala. Pas bon. Ah, mais c'est lui! Il me faut lui! Allez, très bien. Viens voir. Viens jouer les plombiers amateurs. Ça va te coûter cher. Ça
on pourrait croire qu'on peut pas faire plus cher qu'un plombier professionnel. Eh ben si, les plombiers amateurs. Oh non, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Fais dodo, tranquille. Tout va bien. Oula. Il a pas laissé tomber une clé là, ça m'arrangerait. Je ne te le cache pas. Ok. Vous inquiétez pas les gars, j'ai réparé la fuite. Avec mon gun. J'ai tiré à l'endroit. À l'endroit où il fallait. Putain, débrouillé, j'en étais sûr. Eux ne captent rien du tout. C'est magnifique. J'ai entendu quelqu'un. Ok. Hallucination. Crise de délire. On n'est pas par 47. Écoute, ne m'écoute pas. Souris, je préfère quand mon chauve-souris. Ok, mais pourquoi je me cache? Je ne reconnais pas. Est-ce que j'ai un pied de biche? Non. Mais quel connard. C'était là depuis le début. On est reparti. Quoi, j'ai drop quoi? Qu'est-ce que je veux? Je suis ton boss. Tu vas apprendre à fermer un peu plus ta gueule, toi. Allez hop, pas filmé. Parfait. Alors, est-ce que ça change à chaque fois? La dernière fois, j'ai réussi du premier coup en ouvrant celle qui est juste là. Putain, fais pas chier toi. Je sais pas si c'est très utile ce que je viens de faire en fait. Bon bah je tente ma chance. Allez. Quelque chose? Non, putain, un vieux bus de merde. Où sont les autres caisses? Ok, donc une au milieu de tout le monde. Putain, c'est j'ai été repéré en plus par le balayeur. La honte. Il va falloir que je bute tout le monde. Descendre, je suis jamais descendu. Aïe aïe aïe.
can't leave that here. You need to take it with you. C'est bon, j'ai repris, je l'ai repris. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour le massacre? Très bien, très bien. Il est là-bas au fond, il s'en bat les couilles. Magnifique. Ou alors faut que je trouve le centre de pilotage des caméras. Wow. Wow. J'ai même pas vu qu'il y avait une meuf. Wow, je l'ai pas vu lui. Fais-moi pas flipper, man. Je ne peux donc absolument rien faire. À part me faire griller. Oh là là. Bon, c'est ma méthode favorite. And a piece of gum right there, and we're done. You need to be on. Pourquoi tu veux pas le buter maintenant? Yes. Mais c'est quoi ça? Bon, on est mort. On est entouré par le mec que je viens d'assommer. Et le mec qui peut me griller. Désolé, j'ai déconné. J'avais même pas compris que j'avais la mallette en cuir en fait. Je pensais que j'allais juste le... juste l'étrangler comme d'hab. Putain, ils vont venir où là? Oh là là là. Pire endroit. Ok, j'ai réussi la fenêtre comme option. Hey, laisse-moi tranquille toi. Non, c'est pas possible ça. On est plus surveillé que sous l'URSS. Avec 47, c'est l'Empire soviétique. Allez, reviens. Viens me voir. Ils se disent, mais il est fou, il la retente. Et oui,
Je la retente, je suis pas fou. Je la tente sans la mallette. Je viens de ramasser la magnifique clé de l'entrepôt. Ce qui ne m'intéresse pas du tout, putain. Ah mais si, mais si. Il y a donc la salle des machines. Ouh là là. Il y a du monde qui me connaît. Deux ingrédients en temps normal inoffensifs si vous ne les croisez pas ensemble. Ouh là, qu'est-ce que je viens de ramasser là? Fusée éclairante. Non merci monsieur. Éteindre. Bah oui, pourquoi pas. Attends, j'ai failli gueuler en disant que lui, c'était pas un dé... C'est pas un des mecs qui pouvait me griller, et au final j'ai l'impression que si. Il en reste combien qui peuvent me griller? 2. Merde. Et si je me déguise en lui? Combien? Tout le monde. Oulala, oulala, oulala. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va refaire la même. On chauffe pas. Elle était tirée par les cheveux celle-là. Allez, n'aie pas peur, viens me voir. Qu'est-ce qu'il fout? Le truc va pas se rallumer tout seul. Ah si. Ah ouais, le mec fait la pause. La pause du siècle. Il a décidé de s'en battre les couilles. Et ça, tu t'en bats les couilles? Oui, il s'en bat les couilles. Ah non. Putain, c'est même pas lui qui l'a entendu. Y a quoi dans ton café, man? Il a trouvé quoi? Il a trouvé l'arme? J'avais oublié de ramasser l'arme. Apparemment, oui. Cette fois, je vais pas te louper, moi. Personne pourra te sauver.
suis obligé de rire. Rire moi-même à mes propres blagues. Non, cette fois, je vais pas faire l'erreur de laisser le gun. Bon, marteau. Voilà, avec l'anglais, ça fera l'affaire. Ah merde. Si ça se trouve, les cassettes de surveillance sont même pas là. Aïe. Bon. Je suis un peu au ralenti là, mais je sais pas quoi faire. Bon, il reste donc lui et lui. Carte d'accès du bureau. Ils me disent pas quel bureau c'est, d'accord. Dans la merde. Je sais pas quoi faire. Parce que là, en gros, ce cadavre, je peux pas le bouger. Donc, si je ramène quelqu'un ici, dès qu'il va voir le cadavre, il va se casser. Redouer mes outils de jardinage. Je peux en mettre un dans l'armoire, mais lui il veut pas s'en rendre compte, tu penses? Putain. Ouais, en plus il y a la caméra qui vient juste ici. C'est vraiment la merde maximum.
Ça va, lui ça l'a pas inquiété, tranquille, il garde sa porte. Ça tire de l'autre côté. Oh là là, oh là là, oh là là. Il s'est excité lui. Oh là, tout le monde s'excite. Oh merde, et de l'autre côté, il a trouvé le cadavre. Putain, la merde. C'est le moment d'ouvrir des caisses. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive toi là-bas? En tout cas, c'est la musique de la panique. Panic music. Ok, tout le monde se casse. Putain. Je me suis dit que c'était le bon moment. Alors ça l'était. Et c'était pas la bonne caisse. Âge de guerre, on va laisser tomber. Ça va, lui il m'en veut plus, lui il m'en veut plus non plus. Ils ont trouvé leur pote qui était là. Eh bien on va faire avec... On va faire avec les caméras, qu'est-ce que je te dise? Oh putain, il y avait une caisse juste là. Quel connard. And we're on. Une belle dague. Non. Ah oui, couteau de merde. Ah, mais de l'autre côté, je peux ramener le cadavre ici. Oula. Il y a juste un gros témoin juste en face. Oh, bordel de bordel. Ça devient compliqué. Oh merde, il a vu le cadavre. Et merde, ça va ramener l'autre. Vas-y, va voir, va voir. Et hop.
On va faire un beau petit tas. C'est... Ils sont venus au bout de ma patience. Qui se ramène, c'est lui, magnifique. This thing is messed up, but I can fix it. I have good hands. Come on, baby. Back in action. Allez, on en est au combienième là? C'est le quadruple cheeseburger. Ça n'intéresse plus personne. Les mecs s'en battent les couilles. Alors lui, je peux pas faire ça quand même sous la caméra. Bon, ils vont flipper pendant 5 secondes, mais ils vont pas me faire chier. Ah, c'est ça, s'en est occupé 5 secondes. Elle s'en est battu les couilles. Je dis pas que c'est l'autre à l'autre bout de la pièce. Hop 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 hop, tu vas où comme ça toi? Faut que... j'ai une pile à cadavres à fournir moi. Voilà. Putain, me dis pas que c'est dans cette caisse depuis le début. Je sens que c'était là. Je suis un gros connard. Ça m'apprendra. Même si c'est le dernier épisode et que je retiendrai pas la leçon. Non, ça va, c'était pas là. C'est une vieille pagaie de merde. Il va donc falloir que je m'occupe de ton cas, mon gars. C'était chaud. Ça, c'est une dague, ça. Oui. Combien de temps on a mis? Alors, attendez. 20 minutes, plus... 37 minutes, c'est un scandale. Allez, on se dépêche. Parce qu'ils veulent que j'aille maintenant. Oulala, oulala. Je pensais pas sortir par là, moi. Alors attendez, que j'aille où là? Carrément dans un autre bâtiment? C'est pas marqué sur la carte, bien sûr.
Très bien. Et je ne suis pas en intrusion, c'est encore mieux. Allez, 47. Pas d'intrusion et personne ne me connaît. Très bien. Oh là là, oh là là. Si le garde pouvait fumer sa clope en regardant ailleurs. Non, 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 non. Qui m'a vu là? Ah oh, putain. Bande d'amateurs. Je vous aurais tous viré. Allez hop, viré. Ah, j'aime pas tuer les innocents, même. Mesdames et messieurs, voici Janus. Le cadavre de l'épisode précédent. Apparemment bien gardé par un docteur et trois mécarnés. Alors il me propose une intrigue, mais ça va, je suis déjà en train d'en faire une. Je refuse. Ouf. Ce petit coffre qui me demande qu'à être rempli. Personne ici. Ouh, un peu de Maura. Qui ne demande qu'à être assimilé dans tout plat et toute bouteille. Oh, j'ai un tournevis. J'ai même deux tournevis. Oh merde, 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 merde. Je voulais juste voir si ça marchait. Putain. C'est lequel qui va venir là? Ok. Alors, bougez pas, je m'occupe de votre pote. Go here or there. Back on. Back on. Ah, moi aussi je suis on sur toi. Je suis dans ton dos, man. Back. Je suis back. Bon, c'est une technique qui fonctionne. J'aime les techniques qui fonctionnent. On va donc. Non! Qu'est-ce que tu fais, 47? J'aime pas les portes. Oh là, par contre, j'aime pas les guns qui traînent. Putain, j'ai cru que le docteur m'avait vu. Alors, je l'appelle le docteur, mais... Vu qu'elle... Elle travaille sur les morts, je veux pas trop ce qu'elle soigne. Merde, j'ai pas vu s'il avait réussi ou raté. Fallait que j'attende. Être sûr qu'il rétablisse le courant. Sinon, il avait commencé sa petite enquête. Enfin, non. Vous! Sinon son pote allait commencer sa petite enquête. Ce qu'il n'est visiblement pas pressé de faire. Donc ça veut dire qu'il a remis le courant. Et j'avais pas vu. Bon, après toi c'est fini. C'est bon, le médecin je vais me le faire à main nue. J'en fais mon affaire. Qu'est-ce que j'ai de beau? Qu'est-ce qui pourrait faire un son sympa? Ah, pas la deck de cérémonie quand même. Ouf.
pour toi, ce sera. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est qui, Janus? C'est nous. Alors, oula, on va peut-être se débarrasser des armes. Faites signe à la harpiste. À la harpiste, ok, d'accord. On va fermer la porte, j'ai pas envie que tout le monde voit le tas de cadavres. L'un de mes tas de cadavres. Heureusement qu'elle a les yeux bandés. Tu vas avoir la chance de parler à un mort, petite. Elle est où la dague? We're all set. Cue the music. You playing dead. Et là, ma partie favorite. Good thinking, 47. Non, se lever, non, je crois que peut-être pas me lever direct. C'est gentil de proposer. Pour les fans d'Hitman, appréciez bien la musique. Et dites-moi si ça vous fait penser à un ancien jeu. Je l'ai trucidé au couteau. Je crois qu'on va se quitter sur cette note paisible. Tazvadania, c'est quoi cette langue? Je parle pas le Pepito, man.
wrong, my dear? I can't believe you're gone. Last of the greats. Army, those naive fools who've replaced you won't mess things up too bad. Don't you worry. Goodbye, old friend. And thank you for J'ai cru que les gardes se casseraient jamais. Non, lui c'est le constant, c'est le seul qu'il faut pas que je bute. Et donc il reste elle. Et comme je vous disais, on va se quitter sur cet enterrement magnifique. Here we are. You didn't want me and Sophia taking over. Fought us tooth and nail, but a fat lot of good it did you. The partners, they turned a deaf ear, and deep down Janus, you know why? Because for all your smarts, you're just rank and file. Pedestrian middle class blob. T'as bien fait de t'approcher. Et de m'insulter. Bien, mesdames et messieurs, on continue la prochaine fois. Sophia Washington.